Bonjour, vous cherchez à perdre du poids et c'est un peu le parcours du combattant. Ce qui compte, c'est pas les kilos à perdre, mais la manière dont vous aborderez ce problème. Soit vous cultivez l'échec et globalement, c'est le cas de vos nombreuses tentatives, soit vous en sortez grandi. Alors pour sortir de cette impasse, moi je vous invite à regarder la page d'accueil de mon site, parce que vous ne pouvez pas régler votre situation sans faire l'analyse sincère des raisons qui vous conduisent à prendre du poids. Une fois ces raisons listées, vous verrez qu'il n'y a jamais de lien entre vos tentatives et les causes. Donc finalement, c'était du commerce, vous avez été ou complice ou abusé. Je vous offre mon premier conseil. Vous cherchez une solution pour maigrir, eh bien une bonne approche doit être réalisable par tous, y compris celui qui vous la propose. Elle doit être durable, donc ni onéreuse ni contraignante, c'est pour toute une vie. Elle ne doit pas mettre en avant la restriction alimentaire puisque cela conduit à la frustration et que c'est votre comportement qui est en cause. Et pour terminer, elle doit être globale. C'est votre mode de vie qui est à revoir. Alors prendre un aspect de la problématique, c'est un peu comme dévisser un boulon sur quatre. Bon, ok, me direz-vous, mais par quoi je commence? Il y a tellement de choses à changer dans ma vie. Ben, rassurez-vous, c'est pas aussi complexe que vous le croyez. Les difficultés sont souvent imbriquées les unes avec les autres. Prenez l'exemple du Mikado. C'est un amas de baguettes, semble impossible à bouger au premier abord. Mais en prenant le temps, en l'examinant, on distingue toujours un élément qu'il est facile de prendre sans conséquence sur l'édifice. Peu d'efforts, peu de risques, et c'est un début. C'est un peu comme cela qu'on s'attaque à un problème quand il semble insurmontable. Du recul, peu de risques, de la patience, et l'édifice se simplifie. Tout est question de stratégie. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité en dessous de la vidéo de me poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. Je vous invite aussi à me laisser votre mail parce que je vous enverrai mon deuxième conseil qui est essentiel à ce nouveau challenge. Moi je vous dis à bientôt et au plaisir de vous lire.